On commence donc ce journal comme chaque soir avec la situation sanitaire dans notre région. Le taux d'incidence pour le Grand Est est de 340,1 pour 100 000 habitants. Le nombre de cas confirmés, lui, est de 12 764. On se penche à présent du côté de nos départements. La Marne a un taux d'incidence de 159,5 pour 100 000 habitants et 899 cas confirmés. La Haute-Marne, elle, a un taux d'incidence de 378,1 pour 100 000 habitants et 640 cas confirmés. Enfin, la Meuse a un taux d'incidence de 180,6 pour 100 000 habitants et 328 cas confirmés. Du côté des chiffres des hospitalisations et de patients en réanimation, dans le Grand Est, on compte 2621 patients hospitalisés. Au niveau de la réanimation, on compte actuellement 353 patients. Si l'on s'intéresse à nos départements, la Marne compte 223 patients hospitalisés et 40 patients en réanimation. Pour le département de la Haute-Marne, on compte 146 patients hospitalisés et 6 patients en réanimation. Enfin, partons du côté de la Meuse. Le département compte actuellement 61 patients hospitalisés et 7 patients en réanimation. Deux derniers nombres pour terminer. On commence par celui des retours à domicile. 152 personnes ont pu rentrer chez elles et enfin 36 personnes sont décédées à l'hôpital.